Et what's up les boys, c'est Redjacken, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal, donc aujourd'hui on se retrouve enfin sur Call of Duty Black Ops 3. Ça me fait énormément plaisir d'avoir joué à ce Call of Duty, je kiffais Black Ops 2, voire même je surkiffais Black Ops 2. Et Black Ops 3 c'est vraiment un Black Ops 2 2.0 avec toutes les améliorations que Call of Duty a fait depuis maintenant 2 ans avec Ghost, la personnalisation de personnages, avec AW, les déplacements, etc., les maps, les graphismes. En plus sur PS4 c'est de... Franchement c'est magnifique comme jeu, c'est un jeu que je surkiffe. En tout cas je passe énormément de temps dessus. Même si, bon, ce gameplay c'est un gameplay où je suis niveau 25. Maintenant je dois être aux alentours du niveau 51-52. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui je pense va intéresser un minimum de personnes qui se soucient un petit peu de ses stats, etc. Puisque je vais vous montrer et je vais vous donner mes astuces pour comment améliorer son ratio sur Call of Duty Black Ops 3. Même si vos amis, etc., n'ont pas vraiment la possibilité de regarder vos stats, c'est toujours plaisant de dire et de savoir qu'on a vraiment des bonnes stats sur le jeu. On a un bon score par minute, on a un bon ratio élimination mort, ce qui fait que voilà, on est un petit peu satisfait de ce qu'on fait. On se dit que le jeu il est pas si nul que ça, parce que c'est vrai que quand vous jouez à un jeu, même si vous l'adorez et que vous voyez que vous vous faites défoncer dessus, je pense surtout sur un Call of Duty, ça doit mettre un coup au moral et vous allez vous dire qu'au bout d'un moment, ce jeu vaut pas le coup. Alors je vais vous donner tout de suite les astuces. Déjà pour tout ce qui est de l'XP, etc., il suffit d'aller dans un mode de jeu qui s'appelle le mode rempart ou dernier rempart, je ne sais plus exactement, j'y ai passé toute la soirée hier mais j'étais un petit peu fatigué parce que j'y ai joué toute la journée exactement. Si vous regardez bien ce mode de jeu et que vous y allez à plusieurs, avec plusieurs coéquipiers, avec vos potes, etc., vous allez pouvoir vraiment bloquer les spawns, bloquer les ennemis dans leur spawn et faire énormément de kills XP très rapidement et pouvoir gérer un petit peu les manches. C'est un petit peu comme de la domination mais un peu plus rallongé, donc c'est vraiment pas mal. Après vous avez de la démolition qui est excellent également pour XP, mais ça c'est pas non plus une surprise. Mais vraiment le mode de jeu dernier rempart, c'est un petit peu le nouveau mode de jeu que beaucoup utilisent pour XP un maximum. Après pour ce qui en est du score par minute, c'est vrai que ça va réduire un petit peu parce que les manches vont être beaucoup plus longues, mais je vous conseille vraiment d'aller dans des modes de jeu comme la domination, des modes à objectifs qui, je sais, c'est pas une surprise, vont vous permettre d'XP énormément, mais surtout jouer les objectifs. Ne pensez pas à votre ratio si vous voulez augmenter votre score par minute. Obligatoirement, vous allez faire baisser un petit peu votre ratio parce que vous allez jouer plus les objectifs et logiquement, vous allez vous faire un peu plus défoncer dans les kills. C'est exactement ce qui va se passer sur certaines parties qu'on voit des gens. Moi, je connais des gens qui ont 600, 700 de score par minute, mais leur ratio dépasse pas les 2. Donc après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez avoir un bon SPM pour tomber sur des bons accueils et avoir des parties vraiment rythmées avec beaucoup d'action, c'est selon vos envies. Après, pour ce qui en est du ratio, faut pas se leurrer, faut surtout éviter les modes où il y a énormément de bons joueurs. Donc des modes comme la domination, la démolition, dernier rempart, les modes que j'ai pu vous citer, il y a énormément de joueurs qui vont là-dedans, mais c'est en général des joueurs qui sont assez forts sur le jeu. Préconisez des modes de jeu comme le match à mort par équipe ou la recherche et destruction, des modes de jeu qui vous permettront de faire des kills tout en évitant de mourir un maximum de fois et tomber sur des joueurs un peu plus faibles. Donc après, c'est mon avis personnel, ce que j'ai pensé, c'est mon avis personnel. Après, c'est mes conseils, mes astuces qui m'a permis d'avoir un bon ratio. Je dois être aux alentours des 2-19 pour 300 et quelques de score par minute, donc c'est plutôt pas mal pour un début de jeu en étant niveau 51. Donc après, j'espère que vous allez apprécier le gameplay et les conseils que j'ai pu vous donner. J'ai coupé quelques parties puisque voilà, la vidéo va pas durer énormément de temps non plus. Je remercie Code QG, Code CF, Steam Upload, ça me ferait énormément plaisir. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.